Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va à mon avis vous intéresser de ouf. Enfin en tout cas moi quand c'est sorti ça m'a intéressé de ouf. Je l'ai acheté le jour J, mais bien entendu je vous fais cette vidéo genre 3 semaines après l'avoir acheté. Je ne l'ai pas testé exprès, mais de quoi tu parles Camille? De ce petit produit. Alors c'est de la marque Wings Hilux. Comme vous voyez le packaging en carton est super joli. Franchement hyper qualitatif avec les petites fleurs et tout, on adore. Et le produit qui se trouve à l'intérieur n'est autre que ceci. Donc c'est le fameux petit rouge à lèvres avec une fleur dedans. Et ça, on adore. Non, mais regardez-moi ce packaging comme il est trop beau. Déjà ce petit, enfin la petite pils là qui ressemble à une pilule, si j'aime trop. Et l'intérieur, vous avez une fleur emprisonnée dans une espèce de baume à lèvres qui est complètement transparent, même pas un tout petit peu rose, il est transparent. Donc ça c'est génial. Sachez qu'en tout cas dessus en fait il y a marqué une couleur, il y a marqué purple, il y a aussi yellow, pink et je sais plus quelle autre couleur. Et en fait c'est pas la couleur du rouge à lèvres mais c'est la couleur de la fleur qu'il y a dedans. Donc en soi le baume à lèvres et c'est un baume à lèvres teinté un peu comme les lip glow normalement et de chez Dior. Et du coup c'est censé faire un petit peu rose sur les lèvres. Donc typiquement moi ce que j'adore, du coup vous savez qu'une fois que je suis maquillée entière j'aime bien avoir les lèvres un peu plus roses vu que je trouve ça un peu fascinant. Donc voilà, si ça marche, ce serait trop cool parce qu'on a un peu la classe en sortant ce petit truc et en se mettant sur les lèvres, non? Donc je me suis rapproché pour que vous voyez un peu mieux. Du coup, bon, ce joli petit truc, on va l'appliquer direct puisque... Donc le but, c'est que ça hydrate et que ça fasse un petit peu rose. Si ça fait ça, tout marche. Allez, on y va. Donc j'ai rien sur les lèvres. Et je les ai exfoliées ce matin. Ça avait pas d'odeur avant et maintenant c'est une odeur. Ça sent un peu la vanille. Alors j'ai mis sur la lèvre du bas et vous voyez déjà qu'il y a une différence. Je sais pas si vous voyez qu'elle est beaucoup plus rose que l'autre. Regardez juste avec une couche. Vous voyez la différence de ce côté et ce côté? J'espère que vous arrivez à voir. Ouais, clairement ça colore. Bah écoutez, ça colore assez naturel. Je pense que je pourrais le porter, je vais en mettre un peu sur... Mais ce qui est ouf, c'est que le raisin est vrai. Niveau hydratation, je suis étonné parce que je m'attendais à ce soit, vous savez, quelque chose d'un peu trop... pas huileux, mais trop... Vous savez, glissant et du coup, ça... Parce que moi, j'aime bien les baumes à lèvres comme le Carmex, vous savez, quand c'est très épais. Et qu'on sent qu'il y a une couche d'hydratation, je m'attendais à ce que ce soit trop liquide et que ça fasse un peu cheap. Et franchement, la texture est hyper bien. Et vous voyez, j'en ai fait un petit swatch sur mes mains qu'on voit qui est juste ici, j'en ai fait qu'un seul. Et c'est un tout petit peu rosé, donc c'est vraiment léger. Et l'avantage du léger, bah, c'est justement que les mecs peuvent le porter. Enfin, tout le monde peut le porter, mais les mecs qui veulent pas que ça se voit, bah, justement, pour avoir un petit baume à lèvres naturel, mais en même temps un petit peu plus rose. Hyper sympa! Dis donc, en ce moment, cette semaine, vous êtes gâtés entre les vidéos qui durent 2 minutes là et les verdicts. Oh! Et les verdicts qui seront juste nuls. Sorry. Ok, bon, bah écoutez, verdict final, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de moi? C'est sympa, hein, moi j'aime beaucoup. Bah écoutez, j'ai bien fait de faire cette vidéo et que maintenant je vais enfin pouvoir l'utiliser. Vu que le but c'était de vous le montrer un peu tout neuf et tout. Maintenant je peux enfin l'utiliser. Bah écoutez, en plus ça coûte 15€ et quelques, 15,90€ je crois. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est vendu chez Sephora et dans les Sephora. Alors j'imagine que ce sera pas tous les Sephora. Les gros Sephora en général ce sera vendu, sinon ouais, vous pouvez l'acheter sur internet. Vu que de toute façon la couleur c'est la même, c'est juste la couleur de la... fleur qui change. Et après il y en a un autre qui est pailleté mais que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, mais écoutez, j'espère que cette semaine je suis donné, il n'y a pas eu de vidéo de maquillage normalement, enfin pas trop parce que ça m'a, j'ai pas eu trop de temps libre avec les partiels et tout, mais bref, peu importe, enfin, les partiels, les BT, le BTS, le contrôle, les contrôles, tout ça. Anyway. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, ils s'affichent juste ici, Instagram, Snapchat, je réponds très facilement sur Snap et facilement aussi sur Insta, donc n'hésitez pas à aller liker, commenter tout ça et laisser un petit commentaire, pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Et moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et voilà, bisous les amis.